bonjour, comment vas-tu? Pas mal. Et alors, tu présentes tous les concerts sur les Ardents 2014? Pas tous les concerts, mais je présente quelques groupes, oui. Et chaque fois, tu changes de vêtements, là? Oui, j'essaie de changer le vêtement chaque fois. Mais pour le moment, il a pris un peu de temps. Donc, je veux rester pour quelques groupes comme maintenant. Je t'ai déjà vu en concert. Oui. Tu as joué dernièrement au Cadran? Ah oui, au Cadran, oui, oui. Comme mon projet Android 80, oui. C'est quoi ton prénom? C'est Brian. Brian. Enchanté, Brian. Enchanté. Alors, tu es épuisé, il paraît. Il paraît, oui. Vraiment. Enfin, épuisé, non. Demain, je serai épuisé. Mais on reste encore un peu sous le coude. Et ton rôle ici, c'est quoi? Je gère les stands de recyclage. Donc les gens nous rapportent des gobelets usagés et en échange, on leur donne des tickets boissons. Ça fait le ménage en même temps? Ça fait le ménage, c'est bon pour la planète et les gens s'amusent, ils sont contents. Donc voilà. Merci. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais exactement ton rôle? Oh, je suis trop fatigué. Non. T'es bénévole? Ouais, je suis bénévole, ouais. On s'occupe de la sécurité front stage. Donc on sécurise le public. C'est notre but, notre plaisir à nous. On sécurise le public. Avec nos amis de la sécurité, très bonne ambiance. C'est quelle sécurité? On peut les nommer? EPG, Protection Globe, groupe. Bonjour, tu viens voir quoi? Je viens voir tous les concerts, je suis là pour les 4 jours, je suis bénévole. Et comment ça se passe pour toi les bénévoles? Bah ça se passe plutôt bien, je travaille 3 heures au truc Coca-Cola et comme ça bah, je peux voir tous les concerts et tout, c'est génial. Et c'est quoi ton travail pour les bénévoles? Bah en fait je ramasse 20 ou 40 gobelets et je donne 1 ou 2 tickets boissons plus une carte pour jouer chez Coca-Cola et en échange bah, ils me donnent les gobelets et comme ça bah, il n'y a pas trop de gobelets qui traînent par terre et c'est bon pour la planète. Et ici c'est ton rôle, c'est quoi parmi les Ardentes? Je suis le grand Manitou de la grande scène qui est derrière vous. Ça se passe comment sur la grande scène? Ça se passe que c'est tôt le matin et tard le soir, mais ça se passe bien. Merci. De rien. Bonjour les bénévoles, qu'est-ce que vous faites exactement votre rôle? Bah, la propreté, hein. On s'assure que tout soit nickel sur tout le site, sur l'ensemble du site. On est 6, mais on bosse comme des dingues. Hein. Toi aussi? Oui, oui, moi aussi, on vide les poubelles. Donc voilà, c'est très important, surtout pour l'allée des saveurs. On a le légionneur du son, il fait ses réglages. Ça se passe bien? Ça se passe très bien, mais je suis en train de travailler là. Ok, super. Bonsoir, c'est l'équipe vidéo des Ardentes. Comment vous allez? Ça se passe bien? Absolument, ça va pur bonheur ici. On est vraiment bon. Ça fait des années, Yuri, que je te connais en vidéo. Alors ce soir, aux Ardentes. Eh oui, encore aux Ardentes, comme tous les ans. Et toi, tu progresses un peu partout dans le monde? Exact, voilà, ça voyage pas mal, c'est cool. Et c'est quoi ton principe? C'est quoi maintenant? Parce que avant c'était VJ, maintenant c'est quoi? Du mapping, installation, travailler à lumière, sur toutes ses formes, le LED, les lights, la vidéo, un peu les lasers maintenant, un peu de tout quoi. Voilà, la lumière. Ça se passe bien aux Ardentes? Ouais, c'est cool, hein, tranquillou. Pardon, bonjour, et tu vas bien? Tu m'as posé une question? Oui, comment vas-tu? Ah, ben bien, évidemment, comme toujours aux Ardentes. Mais ça fait combien d'années que tu viens ici? Depuis la première, je sais plus, il y a 10, 15 ans, 12 ans, je sais plus. C'est une petite sortie pour les vieux. C'est quoi la technique, ça se passe bien? Ça va. Monsieur travaille, ça se passe bien? Ça va bien ça, c'est le moment quoi. C'est chaud. Le show. On voit le show, on voit les lumières. Un moment de pause, comment ça se passe? Ça va bien et toi? Les Ardentes, c'est cool. Fatigant, comme d'hab. Tu t'occupes de quoi en fait? L'élec, électricité. Pas eu de panne cette année? Pas de panne? Des petites, mais tranquille quoi. À cause de l'orage? Même pas. Et toi, tu t'occupes de quoi? Pareil. Électricité? Pareil. Ok, voilà.